souvent on vous dit, la Côte d'Ivoire, là, en termes de culture, en termes de musique, là, je veux dire toute l'Afrique, là, il n'y a pas son deux. Il y a les gens quand on dit, il va dire, oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, même si vous voulez, même si vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, hein, même si vous détestez la Côte d'Ivoire, je vous dis aujourd'hui et je répète que la Côte d'Ivoire est le meilleur pays de toute l'Afrique en culture, en termes de culture, en termes de musique. De un, DJ Arafat était le meilleur artiste de toute l'Afrique. De deux, voilà ce que la Côte d'Ivoire vient nous montrer encore. Hier, au trophée quoi, c'est trophée award à Rwanda, non, voilà, c'est à Rwanda. Jusqu'à combien d'artistes au Burkina Faso jusqu'à combien d'artistes en Côte d'Ivoire qui sont allés remporter? Jusqu'à Kayes Boum est là, le Didbe est là, Rosaline Layo est là. Hein? Avec l'air, Manangé, ouais, c'est Aranzé, Tamsi. Faut écouter bien. Et tous, ils ont ramassé tous les trophées que les gars ont déposés au Rwanda pour que tous les artistes africains viennent chercher là. Et tous, ils sont allés ramasser tout ça, envoyer en Côte d'Ivoire. Regardez. Mais ça, c'est quoi? C'est la main dans la main qu'on pourra avancer. La Côte d'Ivoire, ça veut dire, eux se soutiennent. Il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. Quand il y a en Côte d'Ivoire, en termes de culture, en termes de musique, les gars se soutiennent. Les gars se soutiennent, ils les voient toujours ensemble, les grands stars et puis les petits stars. Ils sont toujours ensemble et se soutiennent à 100%. Voilà, ils sont allés ramasser tous les trophées au Rwanda envoyés en Côte d'Ivoire. Quand on vous parle, alors quand on parle à les autres artistes des autres pays là, soutenez-vous, soyez ensemble, laissez l'hypocrisie là. N'écoute pas les gens qui cherchent à vous diviser. Vous ne comprenez rien, vous êtes là, ouais, c'est quoi, vous suivez les gens qui veulent vous détruire. Vous n'aurez aucun trophée les gars, vous n'aurez aucun trophée, suivez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, y a pas... regardez, il y a des gens même qui transforment les gens là-bas en stars. Regardez les Willy Dombo, eux se soutiennent, tous les artistes se soutiennent. C'est la main dans la main, ils pas ramasser tous les trophées, ils l'envoient en Côte d'Ivoire. Quand tu étais au Rwanda l'autre jour, là, maman mia, hier là, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire. À cause de quoi? À cause de la culture, à cause de ce que les artistes ont fait. Didibé, Kayes Blum, Rosaline Lao, Tamsi, ils ont tout ramassé les trophées envoyés en Côte d'Ivoire. Donc on vous parle à les autres artistes là, s'il vous plaît, soutenez-vous. Vous laissez ça, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'égoïsme, c'est de fantoucas, c'est de marbrayas, vous ne voulez pas vous soutenir. Voilà. Les autres pays vont aller ramasser, les autres artistes vont aller ramasser tous les trophées envoyés dans leurs pays. Vous allez s'asseoir regarder en télé. Voilà, en télé. Et puis vos fans vont pleurer devant vous. En tout cas, ils ne parlent pas. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire, là, c'est le meilleur pays de toute l'Afrique. En termes de culture, en termes de musique, si vous voulez là, suivez-les pas. Si vous voulez pas aussi là, restez comme ça, vous n'aurez jamais aucun trophée dans votre pays. Ok? Ok? Ok. Fier d'être Ivoirien. Fier d'être Ivoirien, 100%. Voilà. Donc je vous dis, suivez le pas des artistes ivoiriennes pour faire améliorer votre culture, s'il vous plaît. Soutenez-vous, laissez l'hypocrisie et la quoi là. Voilà, pour qu'on avance ensemble. Nous, on veut voir tous les artistes de toute l'Afrique remporter les trophées envoyés dans leurs pays. Mais à chaque fois, c'est la Côte d'Ivoire qui part ramasser tous les trophées envoyés et donner à leurs pays. Et puis, les drapeaux flottent à l'international comme ça. Vous ne voyez pas ça ou bien? Ah, souvent là, réfléchissez aussi ou bien. Ok, je ne vais pas trop parler. Regardez d'abord ce qu'ils ont ramassé là. Regardez les vidéos là. Regardez ce qu'ils ont fait. Là-bas. Regardez en vidéo tout, voilà ça maintenant.